Di Yohanes Ismail dan itu mana? Mama, saya tu. Semua itu dia macam ya. Il est rendu 8h20. Je m'apprêtais à me brosser les dents puis me démaquiller, aller me coucher, mais je me suis dit qu'avant de me démaquiller, je pouvais bien vous filmer comme ça. Ça fait un petit peu changement que d'habitude. Parce qu'on dirait que je suis tout le temps à la maison, pas maquillée quand je vous parle. Fait que ça fait un petit changement. Puis j'ai les cheveux lousses en plus, tu sais. Fait que c'est ça, il est 8h moins 20, moins quart, là. Adeline, ça fait déjà quasiment 1 heure qu'elle dort. Puis moi, je m'en ai aussi pour faire dodo, là, parce que je suis vraiment fatiguée, là. On dirait que ça paraît dans ma voix. Ma voix est comme rauque, mais tu sais, pourtant. J'ai pas fait le party rien, là. Je suis fatiguée. Ça a été super cool. Je vous ai filmé un petit bout, je pense, d'Adeline au buffet. C'était vraiment cool là, de voir tout le monde. Tout le monde avait porté leurs enfants. Fait que on a eu des belles discussions, on a eu bien du fun, c'était cool. J'avais oublié aussi que le samedi, ben dans le fond, la fin de semaine, ils incluent des items de brunch sur leur buffet. Fait que moi, je suis une grande fan de déjeuner. Donc, j'ai déjeuné là, à plein. Comment qu'on peut dire, là? J'étais allée à fond, mettons. Il y avait des poutines déjeuner. Il y avait comme des. C'est des tranches de jambon comme faites en cup, puis ils ont comme coulé un œuf, ils ont fait cuire un œuf dedans, là, c'était super bon, vraiment, là. Adeline aussi, excusez, je pense que j'ai quelque chose dans l'œil. Adeline aussi, elle a trippé bien raide, j'ai donné des cocos, elle a mangé du fromage en grains, elle a mangé, elle a pas mangé de patates, elle a mangé des fruits, elle a mangé des légumes, du brocoli, comme, puis je pense que j'ai aussi donné des genres de saucisses hot dog, tu sais, comme dans la section asiatique, là. Tu sais, c'est ça, hot dog dans le sirop, là. Ça. Puis des petites nouilles au riz, là, dans la petite sauce, genre, c'est un peu pas de taille ou nouilles frites, là. Ouais, elle a trippé bien raide, elle a vraiment aimé ça. Elle a full mangé, là. Comme, on a dîné comme tard, là, considérant son horaire à elle. On a mangé, il était peut-être 1 heure environ. En tout cas, en 1 heure, c'est sûr qu'on était assis puis on mangeait. Puis à 5h, 4h30, 5h, j'ai voulu comme y essayer de donner un petit souper, tu sais, comme parce que là, à un moment donné, il faut bien qu'elle mange un souper. Il faut bien qu'elle fasse sa nuit. Puis comme elle voulait rien savoir, là, elle a même pas pris de comme son mets principal, là. Elle a juste pogné comme 2-3 Cheerios ici et là, là, à la fin, puis c'est moi qui l'ai poussé comme. Puis c'est juste parce que je sais qu'elle aime ça les Cheerios, puis je vais faire un petit fond dans l'estomac parce que. Elle voulait rien savoir. Fait qu'en tout cas, j'espère qu'elle va me toffer jusqu'à demain. Parce que là, c'est sûr, je donnerai pas un snack en pleine nuit, là, on s'entend. Mais c'est ça. Après ça, justement, Adine était comme un peu à bout de sa sieste. Elle se réveillait sa sieste à 10h un matin, vu qu'elle s'était réveillée comme tôt aussi. Fait que je savais qu'elle allait prendre comme une deuxième sieste. Puis elle s'est endormie dans l'autobus. On our way back. Fait que, excusez-là, j'ai perdu plein d'ongles. Je m'ai achevé. Fait que c'est ça, vu qu'elle s'était endormie, j'ai débarqué l'autobus 2-3 arrêts d'avance de chez nous. Puis j'ai comme marché. Puis quand j'ai vu qu'elle se réveillait pas, j'ai refait un autre tour du bloc. En tout cas, on a marché comme une demi-heure au final. Puis Adeline, c'est ça, elle a dormi comme un 40 minutes. Puis je pense que ça l'a vraiment aidé à finir sa journée parce que sinon, ouf. Déjà que c'était pas terrible. Côté comportement, là. En tout cas, il y a des journées de même. Mais on dirait que ça fait 2-3 jours, c'est de même. Je me dis, je vais lui donner quand même une chance parce qu'elle travaille tellement des dents en ce moment. Elle a ses oreilles de percée qui la fatiguent, je le sais, là. Comme, elle se touche pas au lobe, mais elle se touche beaucoup à l'oreille. Puis à chaque fois que je vais pour la désinfecter, là t'sais, ça y fait mal, puis c'est irrité, puis en tout cas, tu sais. Regarde, on la comprend, là, c'est normal, faut que ça guérisse tout ça, c'est... fait que c'est ça, tu sais, on y va un peu plus mollo, puis il faut que je donne comme plus d'attention. Habituellement, elle est comme full indépendante, là, dans le sens que
elle peut jouer puis elle peut faire ses petites affaires. Moi, je couds de mon bord. Puis, tu sais, évidemment, je garde un œil sur elle, là, elle a juste un an. Mais, tu sais, comme, je suis capable de faire d'autres choses pendant qu'elle est là. Puis, elle est capable de jouer toute seule. Mais là, là, ça fait 3-4 jours là, que c'est zéro pinball. Je suis pas capable de comme aller l'autre bord pour coude. J'ai essayé tantôt, là, juste pour vous dire. Puis, vu qu'elle est capable de monter sur le sofa, là, elle monte sur le sofa. Puis là, elle fait ça de même. Elle vient me voir. Mais c'est parce que là, je viens de réaliser que ce côté-là du sofa, il est comme vraiment pas baby-proof, dans le sens que, tu sais, c'est une table de couture, là. Fait qu'il y a des ciseaux, il y a des pinces, il y a des fils, il y a... En tout cas, tout mon projet de couture est là, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est ça qui est ça. Je vous ai comme pas filmé de petits bouts de moi qui cousais, là, mais je pense pas que c'est nécessaire, en tout cas. J'ai fait ça aujourd'hui aussi. Hier, comme je vous ai dit, j'ai coupé. Aujourd'hui, j'ai continué à coudre. Je me suis trouvé un truc aussi pour bien presser mes coutures, là, en tout cas. Parce que c'est comme vraiment important dans ce tissu-là qu'on presse bien les coutures pour que le vêtement, comme il tombe bien. Je vous montrerai le résultat à la fin. Hopefully, ça va être comme un beau résultat, là. J'espère vraiment beaucoup parce que c'est vraiment le style de vêtement qui... Ben, tu sais, je le fais pas pour moi, pour rien. C'est parce que c'est quelque chose que je trouve pas sur le marché, pas à ma grandeur, en tout cas. Fait que c'est ça. J'ai vraiment hâte d'avoir fini. J'ai vraiment hâte de l'essayer, voir s'il me fait bien. Fait que là, c'est ça. Ça fait déjà longtemps que je vous jase. Ben là, c'est ça. Je vais conclure mon vlog parce que je pense que je vais vous combiner comme deux jours. Fait que je pense que ça va être assez. Le plan pour demain, il y a pas grand-chose. J'en ai qu'à travailler. Comme toute la matinée jusqu'à milieu de l'après-midi, comme. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va se faire. Si, mettons, j'ai même pas checké la température, là. Mais, tu sais, s'il fait beau, peut-être ce serait cool à la piscine. C'est sûr que s'il fait 40, moi, j'amène pas Adeline dans un carrosse à 40 dehors. Surtout le carrosse qui est noir, puis en tout cas, tu sais. C'est bien beau que la piscine est rafraîchissante, là, mais toute la marche qu'il faut faire pour se rendre, je lui ferai pas souffrir ça. Fait qu'au pire, on va encore une fois juste rester à la maison. Puis au pire, demain matin, je l'amènerai sur le balcon dans sa table d'eau. Fait que, tu sais, ça peut comme faire une petite activité dehors, là, même si on va pas dehors en après-midi à la piscine. Puis c'est ça, la piscine, elle ouvre juste comme vers midi. Si je me rappelle bien. Fait que, tu sais, c'est pas comme si on peut y aller le matin, puis comme ça soit plus frais. Fait que c'est ça mon blabla. Je vais voir, c'est ça, je vais voir qu'est-ce qu'on fait demain. Peut-être que Chandra, ça va juste tenter de prendre ça bien relax aussi, puis je le comprends, là, c'est comme... Aujourd'hui, on a rushé, il a travaillé en plus. Hier, c'est sa journée off, puis il a travaillé. Fait que Chandra travaille vraiment fort ces jours-ci, fait que je veux vraiment être sûre, comme, de comme tout gérer qu'est-ce qui était à la maison au moins pour y enlever ça sur le dos, préparer le plus de bouffe que je peux, puis tu sais, plus de repas pour lui, parce que bon, je veux pas je veux quand même que ça soit équilibré, là, parce que je sais, on le sait qu'il travaille très très fort. Fait que c'est ça. Alors voilà, c'est ce qui conclut mon vlog. Je vais vous dire bye bye, puis ben c'est ça, on se revoit dans un prochain vlog. Ciao ciao.